Salut les filles, écoutez, ben aujourd'hui je reviens pour une vidéo un petit peu particulière parce que en fait en parlant avec une amie, elle me dit oui mais toi, ton maquillage, t'en as plein, il y a plein de couleurs en fait quand je lui ai montré une palette, elle me dit ouais c'est le genre de couleur que je mets souvent, mais moi c'est vrai que quand tu avais fait ton maquillage bleu, moi j'ose pas parce que en fait c'est des couleurs que j'utiliserais pas, j'ai peur que les gens me regardent en fait rien que pour le maquillage. Donc ben écoutez, ça m'est venu une idée. Je me suis dit pourquoi pas ouvrir une espèce de collection avec le maquillage qu'ont mes copines qui sont pas du tout make-up addicts et qui ont un minimum dans leur trousse beauté. Donc bah, écoutez, j'ai étalé un petit peu les produits qu'elle a et donc bah, on va commencer tout de suite par vous présenter un petit peu le genre de produits qu'elle utilise. Donc alors là je vois une BB crème unifiante anti-rougeur de Mixa Extra Pro Sensible, donc en teinte claire, donc je pense que ça c'est une base préparatrice. Ensuite au niveau teint on a les poudres qui sont de Modélite. Il me semble que celle-là elle est cassée mais elles sont bien attaquées aussi hein. Je vais ouvrir pour que vous voyez un petit peu plus. Voilà en teinte, ben, je pense que ça c'est plus pour le bronzer, pour les joues, et puis ça, ce sera plus pour unifier le teint, enfin une poudre de teint un peu plus clair. Donc ça, c'est des marques que vous pouvez trouver, je pense. Ouais, c'est Make Up Paris. C'est des choses que vous pouvez trouver chez Tati, comment ça s'appelle ce magasin Je sais. Voilà, Jiffy, tout ce qui est incroyable, Foirefouille, etc. Donc c'est vraiment du maquillage bah, qui n'est pas forcément un petit prix, vous voyez. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'est vrai qu'avant, j'utilisais aussi des produits qui sont plutôt chers pour ce que c'est par rapport à des gammes que vous pouvez trouver chez Kiko, franchement, qui sont vraiment pas chères au niveau des monobulles. Enfin bref, après, c'est une aparté. Pareil, cette palette, c'est la palette des marrons, marrons et chauds de Modélite. Hein, donc pareil, avec des teintes... donc ça, c'est là... c'est là, je ne sais pas, c'est pas marqué dessus. Lidstatten, donc je ne sais pas. Mais voilà, c'est une Modélite aussi, hein, avec des tons. Là, elle est bien attaquée aussi. Ou alors elle est tombée aussi, je pense. Alors ici, il y a une mono. Ouais, c'est pas mal ça. Je pense que c'est. Ouais, c'est Modélite aussi, donc vous voyez, hein, en violet. Donc là, on a du Maybelline, le Dream Mousse en marron, parce que c'est toujours des couleurs assez, assez neutres. Ça, c'est du... Alors, ça, c'est acheté au Nose. Je crois. C'était en palette. Enfin, c'était une boîte. D'accord, ok. Une mallette. Donc, pareil, hein, c'est une couleur plus claire, là, en doré et en marron. Ça, c'est Nose, définitivement. Voilà. Je reconnais. Donc, 75 centimes. En marron, toujours. Vous voyez. Elle a un petit peu de bourgeois aussi. Ça me ravit parce que j'aime bien. J'ai le même, je crois. Il est super. Il est vraiment joli. Il est super. Alors, pour celles que ça intéresse, c'est la teinte 10. Voilà, ici. Elle est vraiment top, celle-ci. J'aime bien, j'aime beaucoup. Je l'ai en un peu plus foncé aussi, en rosé. Donc, ensuite, on a bah, tout ce qui est applicateur. Donc, il y a un petit pinceau et en beau mousse, un petit miroir. On a un paille crayon, on a deux vernis, donc je pense aussi Modélite, je pense, un taupe gris foncé et un rouge rouge foncé type 100. Ça c'était bébé Hugo derrière qui est venu aussi voir sa tata. Ensuite on a un gloss rouge Agnès B qui a fermé ses portes d'ailleurs. Ils ont cessé la commercialisation de leurs produits. Ensuite, on a un Sephora en rouge aussi, en rouge sang. Voilà. Pour la teinte, c'est marqué dessus. C'est le The Red. Donc le, je sais même pas, Sephora rouge R04. Ensuite, on a un... ça, c'est pas Modélite ou je sais pas quoi. Ouais, je pense aussi. En rose... c'est un rose nacré, je sais pas si vous verrez quoi que ce soit. Ouais, non, mais de toute façon, non, c'est un rose nacré. Ouais, il est pas mal pour tout ce qui est highlight au-dessus des. Oui, mon amoureux. Ah oui.
Ensuite, on a un L'Oréal Glam Shine, donc en teinte crème aussi. Un petit peu beige avec des paillettes. J'adore ces gloss-là. J'adore vraiment. J'avais un long en 6 heures aussi, en teinte un peu prune. Et vraiment, j'adore. Je trouve qu'ils sont, ils tiennent vachement bien. Ils sont vraiment bien. Celui-là, c'est un L'Oréal 310, le Shine Délicieux, fraise au sucre. Donc, de quelle gamme, je ne sais pas. Oui, mon chat. Voilà, il vous fait un petit coucou aussi. Donc voilà, c'est un petit... Bon, le raisin est usé aussi, mais c'était un rouge framboise. Enfin, plus fraise, mais... Parce que c'est quand même appelé fraise. Donc, avec une palette motivée qui a morflé aussi. Qui était au prix de 20€ il y a quelques années, je pense. Tu l'as acheté. Donc avec pas mal de teintes. Donc c'est là qu'elle me disait, moi j'ai une palette, mais il y a beaucoup de couleurs du type bleu que j'utilise pas forcément. Les roses non plus. Et en dessous, alors par contre, je veux pas que la bousille, excusez-moi. Allez, bousille. Voilà, on a un petit peu de blush et des gloss. C'est pas mal, hein, les blushs. Ils ont été cassés par les chocs. Et ensuite, on a tout ce qui est pour les yeux, donc tout ce qui est. Alors là, c'est eyeliner noir, modélite aussi. Oui, mon chéri. Ça, c'est un DBI Pencil. Alors lui, il fait ça, là. Il fait un, lui, try again. Là, il est en train de faire sa vie. Donc j'espère que ça vous dérangera pas trop pour la vidéo. Un eyeliner pailleté, blanc pailleté. Oui, d'accord. Un rimmel. Alors, un rimmel... avec une pointe, vous savez, c'est un peu les pointes épaisses. Alors que le modélite aussi en feutre, lui il a une pointe un peu plus épaisse. Lui il est plutôt plus fin que celui-ci. Donc un crayon bleu violet, un Agnès B doré. Hey, Doudou, bah alors, mon amour, toi tu rigoles, toi tu t'en fiches. Ouais, mon bébé. Alors celui-là, c'est un 360 mascara. Je vous montre un peu la brosse. Il allonge bien. Et il vient de marché. Ah oui, voilà, le marché. Vous trouvez aussi des trucs bien sur le marché. Oui, mon amour. Alors ça, c'est un de mes favoris. C'est le contour col L'Oréal. Alors je l'adore. Franchement, celui-là avec le liner extra fin, extra black, j'adore. Hé, hey, Doudou, il veut faire la vidéo avec maman, lui. Ouais, il participe. Ça, c'est un marron qui a bien été utilisé aussi. Je pense que... manquais pour les sourcils. Voilà. Oui. Ça, c'est un Yves Rocher 12 Heures Waterproof Ombre Crème avec un... Voilà, bah, juste ombre crème. Je pensais qu'il y avait un double embout. Mais non. Il est bien ? Ouais, c'est pas mal. Enfin, c'est long, c'est dur à étaler. Ah ouais, c'est pas facile à travailler. Ouais. D'accord, donc vous le savez. Ça, c'est un mascara curl Béranger Makeup. C'est super. Donc, moi j'adore. Trouvez où ? À Leclerc. Donc chez Leclerc avec la brosse un peu incurvée comme ça. Bon après tous les produits là, à part je vous dis l'ombre à paupières bourgeois que j'ai dans une autre teinte et le Glam Shine de Maybelline que j'ai aussi dans une autre teinte, je les ai adorés. Après tout ce qui est L'Oréal, c'est enfin le crayon Kohl, super gras, super facile à travailler. Celui-là, c'est le bourgeois, donc un bourgeois noir. Et en fait, on a un taille crayon intégré. Donc, je trouve ça plutôt pratique. Ouais, il est bien, celui-là. Et voilà, on a fait le tour. Donc, bah écoutez, par rapport à moi, c'est sûr que bah, la collection est rétrécie. Mais bon, je pense que ça peut vous donner une idée de ce que mes copines auront dans leur trousse à maquillage. Donc bah écoutez, je vais vous laisser parce que j'ai un petit loup derrière qui fait sa vie et qui vous raconte des choses super importantes. Il vous fait des bisous. On lui en fait aussi. N'oubliez pas que la vie est belle en rose et je vous fais de gros bisous en vous souhaitant une bonne fin de journée et à très bientôt sur ma chaîne. Bisous, ciao.